Et finalement, le pilote de Vitreux va se qualifier en demi-finale. Quart de finale catégorie des pupilles novices. On va retrouver Mel Onfray à surveiller, j'imagine. Oui, parce qu'on l'avait déjà vu sur les épreuves précédentes. Aux avant-postes, il confirme la deuxième position LC2. Théo Bremont, Carpentras, à la deuxième position. Troisième, on va retrouver le numéro 11, Loïs Thomas, pour le BMX Club Avignon-les-Angles, alors qu'à quatrième place, pour le 89, c'est Esteban Galan. Ce n'est pas un pilote espagnol, c'est les Angles, je le confirme. Avec la première position, toujours pour Entrechaux, Maël Onfray, 78. Voilà, entre Maël, Paco et bien d'autres, Entrechaux est en train de faire sa place progressivement dans le paysage provençal, et c'est pas terminé. Deuxième position, on resserre un petit peu, et on a bien raison, Théo Bremont, Carpentras, deuxième, et le pilote de Vincent. On va donc retrouver Marius Berillon, Ange-Marie Bernardini, Tom Clément, Bastien Boyer, Romain Belmont et Maël Pascal. Allez, on va retrouver le numéro 03. Première position, c'est Marius Berillon. Sarion est bien placé, Entrechaux est à la deuxième position. Oh, ça attaque fort là-bas. Cinquième place pour Maël Pascal, qui a fait preuve de beaucoup de détermination dans le premier virage et s'est imposé à la cinquième position. On revient à l'avant-poste avec Sarion, toujours leader, devant Entrechaux, représenté par Tom Clément, le numéro 28. Pour les 3e et 4e positions, j'aperçois déjà Carpentras avec Romain Belmontre. Et pour la 3e place, eh bien, c'est le numéro 08. Bastien Boyer pour la course sur le Côte d'Azur. Maël Pascal, le pilote de Perles-les-Fontaines, va tout en... qui est encore là avec le 88, c'est évidemment Nicolas Lottier, alors que la pluie est en train de faire un petit peu son apparition. Donc Perles-les-Fontaines, Vitrolles et les Pelles-Mirabeau sont là également avec Mathias Salingre, le numéro 64. Noé toujours leader, Vitrolles 2, les Pelles 3, Vitrolles 4, et Enzo Vache est là pour Perles-les-Fontaines. Oh, chute du leader, chute de Noé Recordier à la réception de la sainte table. Il a fait rouler là. Bon, il a tapé le genou, évidemment sans plein, c'est normal, le choc sur le moment, et du coup Enzo Vache pour Perles va se qualifier.